Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom. C'est normal qu'il n'y ait plus de son, hein, c'est parce que je regarde vite si l'enregistrement a bien lancé sur ce jeu, parce que j'ai du mal un petit peu avec ce logiciel d'enregistrement. Comme vous avez pu le voir, de l'apprendre dans le dernier épisode, pardon. Donc, du coup, moi je scanne toujours pour essayer de trouver une anomalie, chose que je ne trouve plus. Hein, donc, je peux aller me faire entuber, il n'y a pas de souci, je ne trouve plus la moindre anomalie. Écoutez, donc je vais passer sur cette planète, hein, tout simplement. Hein. Je cherche des anomalies, je n'en trouve pas la moindre. Ça m'énerve. J'ai pas envie de reculer, hein, ce serait bête de devoir reculer. Hop. On ressaute. Hop. On va chercher cette fois-ci les anomalies le plus sérieusement possible, si je puis dire. Ce qui est dommage, c'est que je devais profiter de ce temps là, des 40 minutes pour commencer à monter les épisodes, et je ne vais pas l'avoir, mais bon. C'est pas grave, hop. Alors, une station, une anomalie, tout ça, n'importe quoi. Ah, attendez, j'ai cru voir un truc. Non. Allez! Y a pas la moindre anomalie dans ce jeu, c'est chiant! Excusez-moi, mais c'est chiant, on cherche ça, je cherche ça et je le trouve pas. Le jeu m'encule. Et je teste ça. Bon, on ressaute. C'est pas grave, on va ressauter jusqu'à ce que. Hein. Ok. Alors on y va. Regardez la distance jusqu'au centre. Regardez-moi la distance jusqu'au centre. C'est terrible. Oh là 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 là. Ça va pas le faire. Je vais pas arriver jusqu'au centre, mais c'est pas la peine. Regardez-moi ces bugs d'affichage. On a vu des sentinelles en plein espace. Enfin bon. Ok. Oula. Non, non, j'ai cru. Il n'y a plus d'anomalie. Je ne trouve plus d'anomalie. Je ne trouve plus la moindre anomalie. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, chers amis. Parce que le multipass à la con, là, il passe par ça, hein, simplement. Allez, on ressaute. Wouhou. Alors, comment on trouve un multipass? Ok. Comment retrouver l'interface Atlas? Et des trolls? Bon, bah apparemment je suis pas le seul à en chier à en trouver. Donc c'est génial. Donc j'ai dû faire à peu près 4, 5, 6 sauts. Voire plus dans les deux précédents épisodes que j'ai pas pu tourner du coup. Que j'ai pas pu monter, enfin mettre en... Enfin bref, vous me comprenez. Ah, je suis déjà full en plus. Enfin je suis déjà vide, pardon. C'est tout l'inverse. Ok, bon. Ok, et là il me manque donc du zinc. Cette planète là, je n'aime pas la couleur. Pff, y a-t-il mieux?
Et là, il voulait plus s'arrêter le vaisseau. Fuck it, je ne m'arrêterai plus. Oh là 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 là. Allez, on va là-dessus, c'est pas grave. Elle est loin. Mais ce n'est pas grave. Bon, bah voilà, vous voyez le véritable défaut du jeu, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est ramasser du carburant. On travaille chez Total. Chez, pardon, c'est comment aussi dans... Chez BP. Nous sommes des soleils. Ah là là. Non mais c'est ça en fait, hein. On fait vraiment, il y a rien vraiment à faire dans le jeu véritablement. On récolte des ressources, on charge notre vaisseau, on se barre, on vend, on change de vaisseau potentiellement sans forcément utiliser l'argent parce que de toute façon on peut changer de vaisseau aussi. Ouf, planète pleine de flotte, génial. Mais non, mais là je suis en train de, alors là pour vous dire je suis en train de baisser la souris là. Les maniements du vaisseau sont juste catastrophiques là aussi. Sur une planète qui sera elle aussi catastrophique, c'est génial. Pff, c'est pas la peine, on va remonter. Hop, de toute façon on trouvera rien cette planète. C'est triste, hein. Vous vous rendez compte? Voilà, on va se faire agresser. Voilà, on va se faire agresser. À 2 contre 1. Et je ne peux pas m'enfuir. Bah oui, un cargo ne s'enfuirait pas, il attaquerait bêtement. Vous le savez tous, pardon. On a tous vu un T7 dans Elite Dangerous aller au contact avec une fédérale corvette. Bah oui. Allez, meurs. Hop, merci. Bouclier rechargé. Bah oui, parce que ça se fait pas tout seul en fait. Faut sortir de son cockpit, tout ça. Rien a été trouvé, wouhou. Des gens utiles à abattre. Hop. Hop. Surchauffe, mais c'est bon, on l'a eu normalement. Boum. Voilà, wouhou, c'est la fête. On a abattu les vaisseaux hostiles. Ho ho ho. Allons-y. Allons sur la planète Émile Chauvart. Rechargeons-nous en carburant et repartons vers le centre. En espérant trouver le plus vite possible une anomalie. Parce que là, ça commence à me pomper grave, comme on dit. Parce qu'en plus, je suis pas le seul. On n'est vraiment pas les seuls à avoir du mal à trouver des anomalies. Hein. Apparemment, mes puissants réacteurs sont vides. Hop. Allez, on va se poser sur la planète en espérant que ça ne soit pas le même type que l'autre. Allez, 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 allez. Non, ce n'est pas le même type. Parfait. Hop. Allez. 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 Allez les éléments en apparaît. Là il y a une balise, tout ce qu'il y a de plus banal. Ok, ici qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir ce que c'est. On se pose. Et parce que en plus le contrôle. Oh, bon bah voilà. Bah non non non, je veux pas me poser. Ah putain. Qu'est-ce que. Cube de vortex. Oh, 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 oh la chute. Hop. Ok.
Donc c'est censé être où ce que je cherche? Juste là. Hop. Crac, sauvegarde. C'est juste un marchand. Génial. J'aurais dû prendre les cubes de vortex. Hop. Vendre des articles. Tiens, mange. Mange. Bon, ça, je garde. Hop. Tiens, prends ça plutôt. Hop, merci. Ok, moi je vais chercher du zinc et du carbone. Crac. Honnêtement, ce jeu est une véritable déception. Hein. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Aluminium, wouhou. Mais c'est pas que pour moi. Hein. Là pour le coup, vous pouvez pas dire que c'est juste de la rage, c'est faux. Le jeu a été, entre guillemets, décrété comme étant une déception pour beaucoup de monde. Pour la plupart des gens. De toute façon, 90% des joueurs, 88% des joueurs ont arrêté d'y jouer selon les données Steam. Hein. Hop, donc c'est pour vous dire, hein. C'est pas des... C'est pas des conneries quand même. On va faire le plein de carbone aussi, ça me fait du bien. Du fer. Du fer. Ok. Juste pour savoir, ça coûte combien ça? 24 000 unités pièces. Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Apparemment, ça a appelé un gros. Waouh! Un toutou! On va s'occuper de la petite. J'ai eu la grosse finalement. Ok. Bah finalement c'était pas un véritable danger. Bon lui je sais pas ce qu'il fait mais il se passe quelque chose apparemment. Si je touche ça. D'accord, c'est à chaque fois que j'en touche une. Hop. Est-ce que je pourrais passer en mode combat, s'il te plaît? Merci. Hop. Ok. Pff. Ah, pour la physique, ils ont fait fort. Hein. Ce plan est déjà connu. Hop, ça c'est fait. Ça aussi. Bon. Ce plan est déjà connu. Donc à chaque fois que je prends une de ces saloperies, je me fais taper dessus. Il y a tellement de moyens en fait d'éviter tout ça. Regardez, hop, je le prends. Allez bien. Et voilà, elle vient d'être pop. Elle vient de littéralement de pop. Hein. Hop, voilà. Il suffit de viser ton cul et tu peux plus rien faire, hein, tu sais. Voilà. Déjà connu. Déjà connu. Déjà connu, voilà. Merci le jeu. Hop, on va se servir de ça, hop. Pour grimper. Crac. Hop. Normalement j'ai de quoi faire le plein, ou presque. Bon c'est déjà ça on va dire. Hop. On va refaire quelques sauts en espérant trouver le truc. Hop. Mais bon.
Après, si vous ne voyez pas l'intérêt, chers amis, d'aller plus loin dans cette aventure, si vous estimez avoir déjà tout vu du jeu, ce qui est sans doute le cas, hormis l'histoire, hein, on en a très peu vu, hein, mais après, apparemment, de toute façon, l'histoire, il n'y en a pas des masses. Hein. Et puis, vu comment ça semble se terminer, autant... Mais, t'es sérieux, mais... Là, pour le coup, là, en fait, j'ai rencontré le bonhomme. Salut, monsieur le geek. T'es très joli. Désespoir faible. Énergie faible donnée. J'imagine que c'est un élément d'isotope. Ah. Parfait, merci. Membrane d'aération. On peut nager sous l'eau. Bah oui, on l'a déjà, mais ça porte juste un autre nom, en fait. Merci, le jeu. Il y a l'encyclopédie. Le mot langue. Portetto. Ce plan est déjà connu. Ok. Et là. Bah non, tu peux pas y aller, t'as pas le bon pass. Bah oui, mais je trouve pas la putain d'anomalie, connard. Voilà. Bah oui, non, mais c'est débile de pas pouvoir avancer dans un jeu, tout simplement parce que même en cherchant, tu trouves pas, quoi. Ouais. Allez, sauvegarde. Hop. Bon, bon, bon. Bah écoutez, c'est vraiment stupide. C'est véritablement stupide. On va refaire quelques sauts, c'est pas grave. On verra bien. On a les capacités à l'heure actuelle, donc autant en profiter. Hop. Parfait. Allez, il nous reste combien? Pas loin de 1000 sauts, c'est ça? Plus de 1000 sauts, enfin non, peut-être pas 1000 sauts, peut-être pas quand même. Mais genre 250 sauts à faire, hein, c'est débile. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Faut pas chercher trop loin. Le seul contenu du jeu, c'est le fait d'aller chercher le centre en fait. C'est joué. Ça peut dire pas les mecs. Allez, j'ai bien me trouver une. Allez! Une anomalie! Putain, mais tu peux me la chier l'anomalie? Monolithe très intéressant. Non, j'en ai rien à faire. Oh là 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 là. Catastrophe. Ce jeu est une catastrophe. Ce jeu est une catastrophe. Boum! On va aller jusqu'au monolithe. Non, même pas. On va pas aller jusqu'au monolithe, on va simplement ressauter. On cherche une de ces fichues. Où est-ce qu'elle est? Anomalies pour avoir le pass V2, ne serait-ce que le V2, ou avoir le plan, rien que le plan. Ça serait peut-être pas mal, non? Ce qui est bien, c'est qu'avec ce que j'ai parlé dans ces deux épisodes, en fait. C'est exactement ce dont j'ai parlé dans les deux précédents. Donc, dans les deux, vous ne verrez pas parce que du coup, ils ont pas enregistré. Littéralement. Ça va être ouvert. Ta gueule, Marcus. Bon. Ouais! Il y a une station partout, hein, mais par contre, pour trouver une putain de. Allez, hop. Et ben, on va à la station. Hop, allez, vas-y. J'ai besoin de trouver non pas une balise mais une anomalie. Est-ce que c'est possible de retrouver mes copains? S'il vous plaît, merci. Hop. Verdict. Non. Bon, bah voilà, je ne trouve plus du tout d'anomalie. Donc si vous avez des conseils, chers amis, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que de toute façon on va bientôt changer de série. Hein. Si vous voulez me voir sur un jeu d'horreur, ce sera pour bientôt, une fois que j'aurai terminé l'autre. Putain, mais j'ai vraiment pas de bol. Ah si, y'en a un là. Yo. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, l'ami? Attends. Pardon, qu'il y a un message.
Je sais pas. Et donc, ça m'offre une pauvre... D'accord. Il y a rien d'autre à aller chercher par là. On m'a dit que parfois, il y avait des des armes ici. Des multi-outils. Je demande que ça. Hop, allez, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Merci. Bah, ça me semble être un échec. Ce plan est déjà connu. Et voilà, zéro multi-outil. Peut-être une encyclopédie. Gras. Pour ceux qui veulent du gras. Ok, donc ça me coûte combien celle-ci? 130 000, bah écoute, j'achète. Ce qui m'en fait toujours une de plus. Ouais, du carbone à foison, ok, cool. On fait que ça, même dans les stations, en fait, tu récoltes des choses. Ok. Eh ben écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode je pense. N'hésitez pas à me dire si vous savez comment je peux trouver un nouveau une nouvelle anomalie plutôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé pour l'humeur de chien que j'ai actuellement. Mais là franchement ce jeu m'énerve, on trouve rien du tout. Tout ce qu'on trouve c'est ah vous connaissez déjà ce plan, ou ah tu ne peux pas le porter, ou ah non, tout simplement. Donc bon voilà, c'est un peu dommage je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop!